Salut à toi, c'est Kaldiak. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est le 11 des meilleurs buts pour moi. Mais le 11 des meilleurs buts. Donc, il n'y a pas les extraits des buts. Il y a juste juste les joueurs. Donc, on va déjà commencer par. Déjà, James Rodriguez. Qui avait mis un but contre l'Uruguay. Qui a fait gagner l'Uruguay avec une reprise de volée du milieu de terrain. Énormissime. Donc, ça, c'est le plus beau but. Après, c'était obligé que ce joueur était dans ce 11. Zlatan Ibrahimovic. C'était contre l'Angleterre. Une retourne acrobatique du milieu de terrain. Magnifique. Même si j'aime pas trop le joueur, il a mis quand même des beaux buts. Et il y a aussi avec l'Ajax, mais c'était pas un beau but. C'était plutôt l'action qui était belle. Donc après, nous passons avec Di Maria. Di Maria. Voilà, donc si ça vous rappelle, Di Maria avait mis un énorme but contre la Belgique. C'était petit filet, il cherchait le petit filet contre Thibaut Courtois, il l'a mis. C'était 110e minute, je crois. C'était en quart de finale contre dans la Coupe du Monde. C'était magnifique. Donc il a mérité d'être dans ce 11. Donc je n'ai pas mis des remplaçants. Donc là, Gignac avec les Tigresses, une retourne acrobatique. Magnifique, mais c'était dans la surface de réparation, mais il mérite d'être dans ce 11. Donc après, Dimitri Payet, attendez, contre le Cameroun, c'est le coup franc hein. Pour Dimitri Payet, c'est le coup franc. Il va faire très mal pendant l'Euro. Donc certes, il y a beaucoup de Français. Après, Kingsley Coman, c'était contre, je me rappelle plus, il avait fait sortir le gardien, il avait mis une frappe, il a cherché l'opposé, petit filet opposé. Donc c'est quand même un joueur jeune, donc il a mis un but extraordinaire. Pour moi, quand j'ai vu le match, je me suis dit qu'elle rentrait pas du tout. Mais elle est rentrée, donc bravo à lui. Donc après, Van Persie. Van Persie avait mis un but tête plongeante à Iker Casillas. Si je me rappelle, il s'est fait violer. Après, il y a Romain, ils sont pris 5-1, donc c'était un match magnifique. Après, vous allez me dire... Saul, c'était obligé. Il avait mis la misère au... Certes, c'était pas le but qui était magnifique. Certes, il avait bien croisé. Mais l'action était magnifique. Il a défoncé tout. Il a défoncé au moins 5 ou 6 joueurs dans... Il a passé, comme ça, il est passé, tranquille. Il a fait un magnifique. Il a slalomé devant... Même Boateng, il a même pas pu le rattraper. Il a mis un but magnifique. Après, on va pas faire le gardien pour l'instant. Ouais, on va le faire. Roberto Carlos, c'était un coup franc contre la France, je sais plus c'était quand, mais il nous avait mis cher, il avait mis, ouais, là il y a les pieds par exemple, mais lui il tire par exemple, il fait pas l'intérieur, il fait l'extérieur, le ballon, donc il fait une trajectoire un peu en biais, et à rentre, pote au but, c'était magnifique. Après, c'était Ronaldo, je sais plus contre qui avait mis un but extraordinaire contre... je sais pas qui. Il avait mis... Non, il a mis juste une frappe loin, magnifique, qui est rentrée, c'était sûr et certain. Non, qui rentrait pas. Mais elle était très loin. Elle était très lointaine. C'était magnifique. Et après, le dernier joueur, bien sûr, il s'appelle Lionel Messi. C'était... C'était contre le Brésil, il y a très très longtemps de ça. Ils ont gagné 4-3 en 39 minutes. 4-3. Le match est resté sur 4-3. Triplé de Messi. Il avait mis... Un but, je me rappelle plus, c'était quoi déjà le but? Il avait mis un magnifique but. Donc pour moi, ça c'est le 11 des plus beaux buts qu'il y a eu. Après, il y en avait plus, il y avait comment il s'appelle celui de Mathieu Valbuena contre Liverpool avec l'OM. Celui de Zlatan qui était beau quand même, avec l'Ajax, ce que je vous l'ai dit. Après, il y a celui de. Comment il s'appelle le... Ah, le Belge, Eden Hazard avec l'OSC contre Marseille. Il y en avait plein d'autres. C'est magnifique. Donc voilà, donc pour moi, c'est le 11 des plus beaux buts. Donc si vous avez envie de faire des petits changements dans cette équipe, vous me le dites dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, likez et partagez. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.